de Noël pour les employés des Bordelais avec deux oppositions directes. Back-to-back. Exactement, un vrai derby. Et ce soir, je pense qu'Anglette... Il a joué en VHL, il a explosé les compteurs. Avec c'est lui qui a le record, ouais, voilà. Il a le record de points en VHL, ce qui lui avait valu d'être appelé dans les équipes étoiles pour la deuxième division russe, c'est-à-dire en MHL. Voilà. Et donc, il vient se tester maintenant dans notre championnat français et on est très heureux de l'accueillir. Allez, c'est parti. Allez, Sweeney, qui récupère dans la zone défensive. Zone sème par la bande avec Aros Amena qui contrôle, qui redonne à Tarantino, qui joue défenseur, hein, non, ouais. De nouveau, hein, Lionel est en défense. Défenseur. Anglette qui a pour le moment la possession du palais, le premier chiffre. On se regarde gentiment, on a vu Bordeaux hein, de ce championnat, donc une équipe qui est difficile à manœuvrer. On va voir, donc Guéguéris là, la bleue, c'est l'équipe qui donne à Sweeney. Voilà, ça s'est contrôlé hein, de suite par les Anglois avec un shoot. Oh, et le but ouais. Magnifique, ouais, magnifique. Très beau jeu. Ouais. On a utilisé beau. Thomas Decoq qui était dans le milieu de la boîte pour faire circuler un peu le palais, décalé sur la droite avec un one-timer. Propre. Bon, ben, ça commence bien pour Anglette. 1-0 à 18 minutes et 15 secondes. C'est... Oh, de Vassiliev. Ah, ouais, il avait... Ouais. Non, c'était un défenseur, c'était Goodwald. Hein. Bon. Ouais, mais Vassiliev était plutôt allumé, il a vu que le joueur sortait de prison, plutôt bien. C'est bien essayé. Allez, on repart à 55, on voit hein, les deux équipes encore une fois, là maintenant c'est Anglette hein, qui joue la trappe. Ouais. Allez, Yorsak là qui a contré le palais, qui va aller chercher dans le coin. Allez, il a trois bordelais sur l'art, c'est compliqué. Une bonne mise en échec de Paquin qui permet de récupérer le palais. Et là aussi une bonne mise en échec, ouais. Et but. Ah, Bordeaux, but de, et but de Vassiliev pour son premier match il me semble. Ouais. C'est Vassiliev ouais, je crois. Attends, voyons le ralenti. Ouais, c'est Vassiliev qui est tout seul devant le slot. Devant le slot, belle passe. Comment il a récupéré le palais, j'ai pas bien vu. C'est Yorsak qui récupère le palais dans le coin. Et regardez là on voit la petite erreur défensive de Bordeaux. Avec plaisir. Allez, Vassiliev qui repasse derrière la cage. Récupéré par Yorsak. Son défenseur, attention, c'est dangereux ça. D'ailleurs, ça, qui attaque, il y a le palais. Ah, il faut lancer, il est bon, il est magnifique. Magnifique, lucarne, au premier poteau. J'ai l'impression que le gardien avait un petit peu anticipé sur la passe au second ouais, poteau. Richard, on voit, il commence ouais. À regarder l'attaquant qui rentre au deuxième poteau. Quel lancer. Magnifique poignée ouais. Là de Yorsak en pleine lucarne. La pipette, nettoyé la pipette a sauté. La pipette a sauté, la toile d'araignée est effacée. Il nous a fait la totale. Bon, 3-0 ouais, en tout cas, Benoît. Non, le ralenti, on l'a pas bien vu. Ben là, 3-0 maintenant, les Bordelais, va falloir... C'est vraiment un joueur d'équipe. Il donne de sa personne. Allez, c'est reparti là. Elle est belle pour Thomas Decoq, il faut tirer là. Oh magnifique. Magnifique la lucarne. Et bien Yorsak a fait celle de gauche, et Thomas Decoq a fait celle de droite. Voilà. Voilà, il m'a écouté de la droite. Oh, c'est dur, hein. C'est dur pour Richard. Hein. C'est dur ouais. Pour Richard là. Ce tir tard là, il est. Ouais. Je pense que il va falloir provoquer quelque chose côté bordelais à mon avis. Je sais pas si Richard va rester encore, mais. Là il est laissé tout seul aussi, hein. Decoq sort. Et là il n'y a rien à faire. Hein. Sort de pénalité, il est laissé seul dans le dos. De Yorsak il a peut-être anticipé au deuxième poteau, ouais, mais bon, voilà. C'est parti du jeu aussi, attention c'est long passe là, Massi, mais c'est contrôlé. Voilà. Anglette contrôle, hein. Clairement, on voit, ça repasse par les défenseurs. Ça met au fond, non, c'est loupé. Contre-attaque de Bordeaux. Ouais, ça c'était bien joué. Parce que... Derrière avec l'embolé ouais, pour Tartari. Ouais. On envoie Spinozzi en haut et on va la prendre un lancer. Et c'est but. But de l'embolé. But de l'embolé, il est chanceux parce que Jules Bosque il casse sa crosse, il veut lancer. Un shoot de Jules Bosque qui part pas parce que la crosse est cassée. Et au final, ça fait une assistance pour l'embolé qui. Pour l'embolé qui était là, qui veillait bien et qui contrôle ce palais, qui met un tout petit shoot. Voilà, on va revoir le but. Hein. Allez, engagement gagné côté Angloy. Tarantino, belle passe. Ah ouais, il est...
Oh, Vassiliev, un beau jeu. Oh, magnifique. Oh, quel but. Magnifique. Oh, non. C'est Paulo Dial, hein. Ouais, je sais pas, mais... Quel but. Paulo Dial. Le festival. Il a échoué il y a 2 minutes. Parce que si j'avais fait... Et là, il a fait le remake. Parce que si j'avais fait ça, j'aurais la hanche gauche, là. Oh. Il est magnifique, ce but. Ben là, regardez le défenseur. Hop. Bon, ça surfe un peu, hein. On voit la table de marque là-bas avec, avec Tarantino qui... je sais pas ce qui se passe là-bas. Il a l'air agacé. Ouais, il a pris rendez-vous demain. Voilà. Je pense qu'il a pris rendez-vous avec Spinozzi là. Ça s'est chauffé. En tout cas, voilà, une magnifique victoire d'Anglette qui a maîtrisé son sujet bordelais. Aujourd'hui, 5-1. Écoute, on parlait de confiance. Hein, ouais, retrouver avec cette équipe, on l'a vu en tout cas, une équipe très confiante qui a maîtrisé son hockey. Je reste sur ce que j'ai dit, le match à Rouen leur a fait beaucoup de bien, j'ai l'impression malgré la défaite. Hein, mais... Peut-être, j'ai même envie de dire le match à Rouen, enfin pas à Rouen, mais le match contre Rouen à Anglette. Voilà, où Anglette a su gagner contre Rouen, il y a eu un passage difficile à Grenoble, mais derrière, voilà, une victoire à Briançon, une défaite de peu à Rouen de nouveau, et là un 5-1 contre Bordeaux, ça fait du bien. On attaque cette phase retour de la meilleure des manières. Alors voyons voir les MVP. On n'a pas parlé de... Côté bordelais. Côté bordelais, on le voit. Côté bordelais, je... pour un retour au club, des Anglois peut-être. Ouais, des Anglois. Allez, en plus surtout qu'ils ont été champions du monde. Voilà, des champions du monde peut-être. Il y a peu de temps, des champions du monde dans U20 français pour les féliciter. Et pourquoi pas le capitaine des champions du monde, Jules Bosc ou Enzo Cari après. On était obligé de faire... Ouais, voilà, il est en train d'annoncer un clin d'œil pour un jeune joueur. Ouais, voilà, ils sont en train d'appeler, hein. Je pense que ça va être Jules Bosc, hein, qui a été capitaine des U20 de l'équipe de France U20 champion du monde. Ouais, c'est Jules Bosc, voilà, c'est Jules Bosc avec un petit mot pour ses compères de l'équipe de France d'Anglette, Enzo Cari, Arthur Larocque et Tonin Cobain. Kobe. Je vais arriver ce soir. En tout cas, voilà, on peut vraiment encore une fois féliciter le hockey français. C'est une belle chose qu'ils ont fait avec une magnifique victoire. C'était contre la Slovénie. La Slovénie, hein, le 3-2. Hein, victoire 3-2 en finale. Exactement. Et c'est le 27 pour Anglette. Paulo Dial, voilà, bon, on a dit, hein, il est sur 3 buts ce soir. Hein. Et sur 3 buts dans le dernier où il a fait l'amour à la défense bordelaise et au gardien. C'est mérité. Donc ça promet un chaud derby demain. Anglette est à 6 points derrière Bordeaux. Exactement. S'ils gagnent demain, ils seront plus qu'à 3 points. Donc voilà, et puis... ça promet un gros match demain. Exactement. En tout cas, nous on est ravis d'avoir passé cette rencontre et cette soirée avec vous. Moi aussi avec toi Thomas. Surtout avec toi, c'est sympa. On vous donne rendez-vous pour la prochaine rencontre, bien entendu, à Anglette le mardi 28 décembre contre Angers. Et puis, nous vous souhaitons bien entendu une bonne soirée et surtout, passez de bonnes fêtes, un joyeux Noël. Profitez bien de vos familles et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.